Good morning, allez, il y a une chose aujourd'hui, le Nishmat, François Fajib, Ben Khana, Janine, Rubin, Bat Fortuna, Mazal Fritna, Claude, Shalom, Ben Shalom, et Isharia, Ben Linda, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet. Péa, Perikret, Mishnah Gimel. Ne'emanim à la chitin, ve'ne'emanim à la kemach, velo à la pâte. Ne'emanim à la seora, shel orez. Ve'ne'emanim à lav, ben chai, ben nevushal. Ne'emanim à la pole, ve'ne'emanim à la grisine. Lo chaim velo mevushalim. Ne'emanim al ha-shemen lomar shel maaser ani'u, ve'en ne'emanim alav lomar shel zete nikuf hu. On est une Mishnah qui parle en rapport avec, qui continue le principe de la Mishnah précédente. La Mishnah précédente, on avait d'abord introduit l'histoire de la crédibilité des Amaharets en rapport avec leurs fruits et ce qu'ils ont prélevé à Tourmot ou Masrot. Ils ne sont pas crus de prélever à Tourmot ou Masrot comme il faut, parce qu'ils font ça très mal, ils font ça à leur manière. Donc du coup, ces fruits-là s'appellent du dmaï, que je dois nécessairement prélever de nouveau. La Mishnah m'avait ensuite appris que ce que le pauvre, maintenant, au lieu de me dire qu'il a prélevé les Tourmot ou Masrot, s'il va me dire que ça, c'est des fruits qui sont dispensés de Tourmot ou Masrot, parce qu'il est parti les cueillir et les récupérer en guise de don pour les pauvres, alors ils sont crus, mais la Mishnah précédente finissait en me disant une condition fondamentale. C'est qu'ils sont crus de dire que cet objet-là, ce que ces fruits-là, c'est des fruits qui ont été donnés pour les pauvres, que si c'est des fruits qui sont donnés en l'état. Mais s'ils ont déjà subi des modifications, ils ne sont plus crus. Soit, par exemple, on donne du blé aux pauvres, et pas de la farine, par exemple, eh bien, si je vais me faire dépanner chez le voisin à Maharetz pauvre, en me disant, t'as du blé à me prêter, il va me sortir du blé tel quel en l'état, en me disant, oui, ça vient du lait de Chirropéa, je le crois, j'ai pas besoin de me prélever. Mais s'il va me dire, non, il va me sortir de la farine et me dire oui, c'est de la farine que j'ai fait à partir du lekat shircha opéa. Là, il est plus cru parce que, de nouveau, il est cru que l'objet à l'état brut. Et la Mishnah, donc, elle vient me dire Ne'emanim à la chitin, ben ne'emanim à la kemach, velo à la pâte. Le pauvre est cru de te dire que c'est du. Il est cru sur le blé, si tu viens en prêter du blé de lui. Il peut te prêter du blé en te disant oui, c'est du bon blé qui vient de lekat shircha opéa, si c'est du blé tel quel. Venemanim à la kemar, velo à la pâte. Par contre, ils ne sont pas crus. Ni sur la farine, ni sur le pain. Ils ne sont pas crus, parce que là, cette fois-ci, ça a subi des modifications. Et je ne crois plus, on n'a plus la Torah, les Chachamim n'ont pas instauré de crédibilité sur ça. De même, Nemanim à la seora shel orez, venemanim à la ben chai ben mevushal. Ils sont crus aussi de nouveau sur le seora shel orez, la graine de blé. Ou plutôt, il y en a qui disent que c'est l'épi de blé, pas de blé, excusez-moi, de orez, de riz. Je ne sais pas à quoi ça ressemble l'orez, et d'ailleurs, j'ai vu une fois quelqu'un qui disait que le orez et d'Ochan, ce qu'on appelle orez, c'est pas le orez de l'époque, donc du coup, ça, concrètement, ça pousse comme une céréale. Il y a un épi, et il y a ensuite là-bas des grains qui se trouvent. Alors la Mishnah me dit sur le riz, de nouveau, Ne'emanim à la seora shalezer. Shel Erez. Alors, il est cru sur le Seora Shel Erez. Alors, on parle qu'en fait, il est encore en épi de riz. Il est cru sur l'épi, c'est un premier avis. Shibolet Shel Erez. Il y en a qui expliquent, non, au contraire, c'est Seora Shel Erez. Quand il est, maintenant, il a été. On a supprimé déjà une première partie de l'épi en récupérant l'écorce qui est autour de lui. Ça, c'est Seora Shel Erez. Par contre, Ben Emanimalav, Ben Chai, Ben Mivushal. Et tu le crois que sur ça, parce que là c'est comme ça que c'est l'usage de donner le riz en maaser ani, mais par contre il n'est pas cru sur le, si c'est du riz en épi entièrement, ben chai, ou encore même s'il est mevushal, si encore à l'inverse, s'il a été complètement, on a enlevé l'écorce, on a juste le grain qui est cru ou qui a été cuit, il est plus cru. De nouveau, selon le même principe. Je le crois, le pauvre qui a reçu ça, lorsque c'est à l'état brut, mais pas autre chose. Ne'emanim à la pole, ben ne'emanim à la grisine. Alors c'est quoi pole et c'est quoi grisine? Grisine, c'est le... Il y a un problème. Pole, c'est censé être une sorte d'haricot. Mais là, ça ne s'arrange pas très bien. Ouais. Donc, je ne sais pas exactement, c'était l'usage d'avoir des haricots, que des fois, on décidait d'en faire une sorte d'haricot moulu. Ouais, concassé. Donc, fréquent un peu avec la soupe de pois, comme ça, enfin les poires,
pois et petits pois, peut-être c'est le même principe. Alors ils sont crus sur les choses telles quelles quand on connaît le usage de nos pauvres, mais une fois qu'on les a travaillés, alors le pauvre il est plus cru de dire que ça provient de matnat tanim, parce que l'usage il est donné, les matnat tanim, les dons qu'on fait pour les pauvres, de leur donner lorsque c'est uniquement entier. Et donc ils ne sont pas crus sur les. Alors Paul, si on t'a dit que c'est les fèves plutôt, sur les fèves qui sont l'ochaim, velo, mais faut chalem, ni quand elles sont crues, ni lorsqu'elles sont cuites. D'accord? Nemanim à la shemen, l'omar shel maaser aniou, venemanim à lav l'omar, mais c'est nikoufou. Là, on a quelque chose de très original, ce qui se passe. C'est que là, cette fois-ci, on a une crédibilité du pauvre en rapport avec l'huile d'olive. Mais alors là, ça dépend, qu'est-ce qu'il me répond? Parce que l'huile d'olive, ça se passe comme ça. Soit il est parti chercher avec le leket et la PA, il est parti chercher des olives telles quelles, pour ensuite en faire de l'huile. Ou soit il a reçu le macéranier. Alors, macéranier, lorsque tu le donnes pour les pauvres, tu le donnes une fois que tu as déjà fait ton huile. Il s'avère qu'en fait, si le pauvre te dit, tiens, prends mon huile, c'est une huile cachère, parce qu'elle provient, si elle provient du macéranier, c'est super. Ça signifie que le propriétaire, il lui a donné de l'huile d'olive, c'est logique. Il a donné de l'huile d'olive, maintenant il peut me transmettre. Il a cru pour me dire que ça provient des dons pour les pauvres. Par contre, si jamais il va dire oui, ça, c'est une huile qui est cachère, qui n'a pas besoin de troumatoumasot, parce que c'est ce que j'ai moi-même cueilli lorsque j'étais monté sur les cimes de l'arbre, ça s'appelle les éthénikouf, les olives qu'il est parti monter sur les. Quand il était Ménakef, quand il était monté sur l'arbre, sur l'olivier pour cueillir les fruits, là, il n'est plus cru pour me dire, parce que là, ça a subi des transformations. Et donc, dans ce cas-là, on ne croit plus. Il n'y a plus sa crédibilité. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Juste une journée pleine de la sacha, comme tout le monde.